Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer Battle Sector. On se retrouve pour retenter notre petite mission et cette fois essayer de défendre le site du crash. Donc on va espérer qu'il faut pas qu'il y ait des unités qui rentrent dedans, parce qu'on ne peut juste pas empêcher l'unité de rentrer dedans, hein. Je vois pas comment on peut réussir à faire ça. Donc pour l'instant on va faire tenir les sœurs dans la zone, tant pis, et essayer de venir les aider le plus vite possible, hein. On va donc changer un petit peu de stratégie. Peut-être en jouant plus de la surveillance du coup. Même si c'est un peu moins stable, on va dire, en termes de possibilités. Hop, on trace par là. Eux du coup auront leur réacteur encore pour aller filer un coup de main là-bas dès le prochain tour. En attendant, on couvre ici. On va envoyer un Hellblaster dans le dos. Toi ici. Pareil, surveillance. Lui du coup je l'enverrai peut-être plutôt par là. Pour l'instant on va pas changer notre premier déploiement de ce côté-ci. De toute façon on n'a pas trop de miracles. Hop, le petit canon d'assaut. Alors on a l'ami Carléon qui va venir mettre un petit boost. Tu vas te pousser d'ailleurs. C'est parti. Nickel, pile poil 102 et 100, c'est ça qu'on veut. Ici, on allume. Parfait. Vous, est-ce que j'y vais au réacteur? Ouais, hein, plutôt oui, hein. Plutôt oui. On va déployer un petit peu de l'autre côté. Frère Kindar nous a bien servi ici. Toi aussi. On va mettre un peu moins de monde, je pense, cette fois, notamment eux là. On va les faire tracer par là, peut-être même par ici, pour qu'ils puissent se balancer avec leur. Ouais, même ici. Au prochain tour, on pourra les envoyer par là, par-dessus le mur. On va envoyer un intercesseur ici. Ouais. Un Hellblaster là. Toi malheureusement tu peux pas aller beaucoup plus loin. Le Tech Marine, il va là-bas. Et toi je pense que c'est ici qu'on va prendre le plus cher, donc tu vas plutôt aller par là. Ici c'est de la couverture complète partout. Toi t'as 49% de chance, 50 ici, 49 là, bah vas-y tente le 50 au moins pour diminuer un peu. Voilà, ici on va essayer de finir ça. Parfait, c'est fait. Toi, coup de couvre de ce côté. Alors ici. Là, on a couru le plus loin possible. Ici, on va couvrir par là. Ici. Ouais, par ici. Toi, c'est pareil. Le Tech Marine. Petit bonus ici. Vous couvrez par ici, vous couvrez par ici. Qui c'est qui reste? Ah, ici on a des intercesseurs également. C'est parti. Et vous avez une belle vue là. Alors, les sœurs maintenant. Les sœurs. Je pense qu'on va garder l'idée de base. On va activer ça. Hop là. C'est parti.
Comment ça, t'as pas déclenché sa surveillance? Ah oui, quand même. Bon, on est d'accord, ça aurait été dommage. Bon, on lui a fait mal. Non, il reste tous leurs potes. Alors j'ai pas eu l'impression à la mission précédente quand ça a explosé qu'il y en ait un qui est arrivé qui a mis un coup au site du crash, hein, mais peut-être que c'est ça, hein, peut-être qu'ils sont rentrés, qu'ils y mettent une fessée, on va voir. On va sauvegarder au début de ce tour pour pouvoir éventuellement se redéployer. Surveillance qui fait quand même plutôt bien le taf, même si c'est pas non plus dingue, hein. Je pense qu'on a des malus de précision avec la surveillance qui sont pas forcément donnés, parce que là je les avais mis globalement peut-être à une ou deux exceptions près à la distance optimale. Ici au moins éliminer un petit peu. Là, je pense qu'il y a trop d'unités sur le chemin, donc c'est considéré comme en couverture. Bon, le petit coup de bolter qui fait pas forcément très mal. Par contre, j'ai l'impression qu'ils se sont placés pour bloquer lui, ce qui est plutôt cool. Non, il est capable de tirer dans ses potes. Ok, il a éliminé le. Ils ont éliminé leurs propres potes. D'accord, bah on se souviendra qu'ils ont pas trop de problèmes à faire ça. Non mais c'est pas possible que ce soit qu'ils tapent dedans. À aucun moment ça peut passer. Waouh, ça pique. Ils sont bien nombreux, hein. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes aussi, j'ai pas souvenir d'avoir vu des Vénotopes se pointer là, il y avait beaucoup de trucs volants. Il y a peut-être un tirage aléatoire quand on démarre la mission. Ok, ça c'est cool. Pas une balle qui passe, très bien. Où est-ce qu'ils vont? À côté de mes lance-flammes? Bah, ok. Du coup, rip. Ouais, y'a du monde encore là. On a pas fait beaucoup de dégâts, hein. Je pense qu'on en a perdu quelques-unes là. Ouais, ils sont plus que. Pas beaucoup. Aïe 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 aïe. On sent bien la montée en difficulté d'un coup là. Enfin, après, l'objectif faisait pas perdre la mission non plus, hein, mais. Très bien, alors là on a en plus on lui a fait beaucoup moins mal qu'avant. Il y a lui à éliminer comme d'hab. On va commencer par se débarrasser de ça dans notre dos. Voilà,
comme ça c'est fait. Et après, comme prévu, on trace. Et avant que j'oublie, on va faire une petite sauvegarde. Hop, voilà, tac. Au cas où. Alors toi, t'es un peu là pour faire chier, hein, j'ai l'impression. Mais bon, pourquoi pas. On a ça à gérer également. On va prendre le boost. Deux de perçage d'armure, 18 x 3, 85 et là 80. Bah ouais non, faut qu'on se débarrasse de ce truc là. 60% de chance hein, ça peut passer. Ou pas. Ah puis en plus vu qu'il est derrière le prédateur, il est considéré comme avec une couverture complète. Parfait, en arrière, allumez-le. Allez, faut me le finir. Ah bah merci putain. Donc ça c'est 2 de portée optimale. On avance là. Voilà, 90% de chance, ça me va mieux. Parfait. Si on se retourne. Là on avance. On peut même avancer. Ouais non, on va pas avancer dans la merde. Juste exprès pour. Là, on va par contre. Attends, ça fait vraiment une couverture complète ce truc, c'est ouf quoi. 65% de chance seulement. Allez, 69%, ça passe. Allez, finissez-le, voilà, parfait. Pile poil ce qu'il faut. Ici, on va avancer. Où ça? Jusque là. Toi, pareil, tu vas aller sur ta petite butte ici. Tu peux allumer là à 80%, vas-y allume. Très bien, Carléon, c'est l'heure de sortir le petit jetpack des familles. 27% de chance, ça c'est trop loin. Couvre la zone. Bon, sur ce côté-là, c'est fait. On peut pas faire grand-chose de plus. Ici, j'aimerais bien pouvoir envoyer, comme tout à l'heure, frère Kindar là-bas. Donc il faut qu'on se termine celui-là. Ici, on a quoi? 40% de chance de toucher seulement. Précision de base de 80, normalement, quand on est tout proche. Hein. Pourquoi on a que 55% de chance, quoi? Ah parce qu'ils sont dans leur nuage de spore. Putain, c'est pour ça qu'on galère. Oh, tant pis, tu vas plutôt t'occuper de ça. Voilà, merci. On va s'occuper d'eux autrement. Voilà, avec des mecs qui ont une vraie précision. Même si ça reste pas fou. Voilà, c'est fait. Go! Marche dans la merde, mais c'est pas grave. Ils l'ont bien placé là, hein, parce que dès qu'on va devoir faire le tour, on va se le prendre. Il se relève. Ouais, c'est pas ça qui va me faire mal, y a pas de souci. Ok, il en reste un, mais il est engagé contre nous. On pourra peut-être s'en occuper. Qu'on vienne là, tant qu'à marcher dans la zone, autant le faire bien. Ok, il est mort, pas de problème. On avance avec toi aussi. Vous, c'est pareil, go. Alors, ici, va falloir qu'on en défonce celui-ci, hein, donc on va. Bien se faire plaisir, on va tirer et après on va avancer. Alors lui j'aimerais bien le soigner avant de l'avancer par contre. La surcharge. Allez, oh putain ils ont pris cher.
On a bien vu le 25% de chance là. On va avoir un soin ici, un soin là ensuite. Vous venez là. Vous me le défoncez. Et après, vous allez venir jusqu'ici. Parfait. Ça va permettre à eux d'avancer jusque là. Lui du coup va être également disponible. Merde, putain, j'avais pas d'estimation. C'est pas grave. Allez, 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 allez. Et ben non. Il va venir jusque là. Du coup, toi, tu peux venir ici et mettre un petit soin. C'est parti. Et maintenant vous, vous êtes capable de venir. Peut-être même capable de faire ça, non? Capable de faire ça, non? Vous êtes pas capable de faire ça. Mais vous êtes capable de venir jusqu'ici faire un peu de menace. Même si ça reste risqué, on va pas se mentir. 70% de chance et 6 x 3, c'est pas assez. C'est pas du tout assez, mais ça pourrait être assez avec ce qui reste derrière. Non mais non mais non mais non mais non. 0 x 60, quel con. J'ai tiré trop vite, du coup c'est à vous. Voilà, 20 x 6 ça me va mieux. Ok, le Tyrannophex, on n'en parle plus. C'est plutôt cool. Le Tech Marine. Le Tech Marine, pareil, il va courir par là. Alors, il reste toi. Tu vas le placer ici pour pouvoir mettre un petit heal au prochain tour. Et il reste les sœurs. 20% de chance sur ce truc là, 30% de chance sur ce truc là, vous avez un debuff. Ah oui. Malus de portée, parce qu'elles sont en mêlée. Alors ici on a 2, 3 x 12. Et avec ça, 72. Mais là on se prend l'armure, hein, c'est pour ça que j'hésite. Et vous, vous êtes considéré comme en mêlée? Non, vous n'êtes pas considéré comme en mêlée d'ailleurs. Intéressant. Par contre, vous faites que dalle comme dégâts, mais vous pourriez éliminer un peu de monde là. Même si c'était que 55%, ça se voit. Bon bah du coup, ici la tronçonneuse, tant pis hein. Allez, go. 11 PV seulement. Oh, comme ça fait mal. Comme ça fait super mal. Bah là, nos chances de toucher. On peut y aller à la grenade, cela dit. J'aurai une petite grenade là-dedans. Voilà, une unité de moins, toujours ça de prix. Par contre, je suis pas très positif sur les chances de celle-là. Hein. Ok, ah mais en plus ça fait des dégâts. Relieve les sisters. Les Xenos ont coûté nous suffisamment déjà. Donc effectivement, il semblerait qu'il faut vraiment qu'il n'y ait aucun Xenos dans la zone. Ça paraît assez compliqué hein. Bon, j'ai quelques idées pour que ce soit faisable, mais c'est quand même compliqué. Faudrait mettre la sœur dans l'entrée là, les autres là-bas. Ici au final, il n'y a personne qui rentre vraiment. Bon, on va laisser tomber l'idée du site du crash, je pense qu'on va sauver deux sœurs. Ce sera toujours ça de prix. We're taking fire.
putain, leur crachoir il fait mal. Hein. Ah, il y a une autre épine dorsale ici. Très bien. Eux ils font le tour, ça m'arrange. On fait la petite attaque de dos qui pique. Elle, je crois pas à leur survie, hein. Franchement non, là. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Ils s'énervent là. Ok, ils ont pris une deuxième action grâce à leur impulsion sûrement. Le 150% de gain d'impulsion, il risque de se faire sentir quand même. Hein. Allez, riposte là. Faut pas de ma gueule. Voilà, merci. Ok, on a perdu une sœur. Les deux autres, on devrait normalement être capable de les sauver, je pense. Là, ils m'ont chargé de face, c'était complètement con. Eux, ils se replient carrément, pourquoi pas. À souffrir. Hein. Ok, alors il va falloir qu'on avance eux pour essayer de lance-flammer un peu tout ça. Ici il y a beaucoup de monde qui arrive sur ce flanc, mine de rien. On peut avancer avec notre copain là, le Predator. On sait qu'il est plutôt efficace pour diminuer un peu ce genre de grosses unités. On va mettre le petit boost et c'est parti. Ok, c'est pas mal. Ah mais tu peux retirer avec ça, ça coûte 0 PA. Oh, j'avais jamais vu. Mais c'est très très bon tout ça. Bah go. Allume. Voilà, c'est pas ouf hein, mais ça fait quand même 48 de dégâts cadeau. Par contre avec ton gros cul tu vas bloquer tout le monde. Ça c'est un autre problème. Donc ici c'est géré. Frère Kindar il pourrait par exemple venir par là. Les autres il va falloir qu'ils se bougent les fesses. Ici un petit heal. Et toi, ton objectif, ce sera d'aller soutenir les sorts de bataille ensuite. Alors là, on est de flanc à 70%, c'est pas mal, on prend. Ok. Vous pouvez reculer sans zone de contrôle, vous? Ouais. Reculez. Vu qu'on a plus cette foutue zone, on va pas s'emmerder. Alors, lance-flamme léger, c'est parti. Cramer la tronche, ça c'est fait. Tournez par là. Ici. Là. On peut mettre cela là. Ils peuvent faire mal à ça avec ça de l'armure. Parfait. In righteous battle, liberation. In death, vindication. 60% si je vous mets ici. 70% c'est pas mal. On n'a pas réussi à le finir, il lui reste 2 PV, normal, grand classique. On va avancer un peu les unités. Toi tu viens là. T'as moyen de tirer là, 33% de chance. Oh, vas-y, si t'arrives à mettre un tir, ça passe quoi. Allez! Ah bah,
C'était un 33% de chance moins. On s'en souviendra. En plus, il est tout seul, mais il nous empêche d'avancer. Bon. Bon. Ici. Le Tech Marine. Il pourrait venir là. Là, on pourrait avoir un angle avec eux, je pense, pour diminuer un peu tout ça. 55% seulement. Merde. C'est un peu merdique. Ah, c'est encore pire, fait chier. On peut aller à la grenade, cela dit. Go. Ils sont pas morts. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Est-ce qu'on peut avoir un angle sur les guerriers ? On peut avoir un angle sur les guerriers, on va tenter la surcharge, tant pis. Ça passe, ils s'en tirent bien pour l'instant. Un de moins. Un de moins et les autres sont bien endommagés. Ici on a 70% de chance, 70% de chance. Ça c'est à deux de cases. On pourrait caler un petit boost ici du coup. Ça passerait. C'est plutôt eux que j'aurais voulu booster, mais c'est toujours ça de prix. Alors là on peut pas bouger, hein. on a double zone de contrôle. On va devoir se débarrasser de notre menace dans le dos. Et se tourner par là. Ici on peut plus rien faire. Toi t'as rien fait encore, parfait. Ici on n'a pas trop joué encore effectivement. Avec eux, si on pouvait les mettre là, il y a peut-être moyen qu'on arrive à finir cela, même avec des chances un peu merdiques. 46%, allez cette fois faites pas les cons, il a 2 PV quoi. Voilà, merci. Empoisonné, 32 dommages appliqués à la fin du tour. Ok, on va probablement perdre une unité, si c'est le mauvais qui prend là. Bah il sera mort hein, il faut que je vous dise moi. Toi tu vas avancer pour protéger un peu. Ici on va se mettre là. 75% de chance. 20 x 8. Allez, go. Diminuons un petit peu. Le bolter c'est vraiment pas fifou. Vous venez là. 38%, 42%, putain mais c'est vraiment nul hein. C'est vraiment nul leur arme à celle-là. C'est un truc de fou. Bon on va pas utiliser nos compétences là-dessus, on va essayer de taper sur cela. Ok on a réussi à s'en faire un, c'est toujours ça de prix. On pourrait se replier avec eux. On va le faire. Hop. Il reste toi qui n'a rien fait. Tu vas activer ce truc. Pourquoi pas. Ah mais non, attendez, c'est un bug ce truc d'attaque en mêlée en ligne droite là. On pourrait aller filer un coup de main là en gérant ça. Hein. Ça pourrait se faire. Allez go. Voilà, parfait ça. Du coup on est engagé avec lui. Mais j'ai pas trop peur qu'elle souffre. Ici on se tourne. Du coup, surveiller la sortie. Il reste toi. Il nous reste des unités derrière aussi. Le dreadnought on va le mettre par là-bas à courir ici. Si eux ils essayent d'avancer et de passer dans sa zone de tir, il peut réussir en one-shotter hein, quand même.
La précision va probablement pas être ouf, mais c'est pas grave. On va pas envoyer d'autres personnes filer de coups de main. Il va gérer tout seul comme un grand. Alors, il reste vous qui avez pas tiré. Bah ouais, mais enfin, franchement... Couvrez-la quand eux vont s'approcher, puisqu'ils vont s'approcher. Toi, t'as encore deux actions. 65% de chance pour tirer. C'est parti. Voilà. Plus une petite surveillance des familles. Et toi, bah vas-y, surveillance par là aussi, des fois que les autres s'approchent. On est parti. Et merde, c'est le mauvais qui a pris les 32 dégâts, forcément. Bon là, c'est les mauvais qui déclenchent la surveillance, ils jouent dans le bon sens. Ouais bon ça, ça va, ça remettra. Ah ils font demi-tour. Les petits fumiers. Ouais, je me disais, c'est quoi ce truc qui tremble de l'enfer? Mais le machin il charge quoi? What the fuck? Oh! Cette compétence, putain! Il m'a tellement défoncé! Ok, c'est bon à savoir, on peut faire ça. Très très bien. Ah, ils en veulent aux sœurs, hein. C'est assez ouf, hein. On va avoir des meilleurs angles. Ouais, la zone de contrôle quand ils volent, c'est compliqué. D'accord, donc là, il nous a chargé dans le tas, jusqu'ici, comme un gros connard. Très très bien. On est dos, donc c'est parti, vengeance. Le gros coup de hache. Bim, voilà. Allez, oui, je sais, il a une armure épineuse, mais c'est pas grave, tu recommences. Voilà, merci. Et on le termine. Oh, mais oh. Alors, par contre, du coup, l'autre là-bas, là. Carculé, on va devoir se foutre dans la présence toxique. Ça, c'est pas cool. On peut avancer d'une case pour avoir un meilleur angle. 49%, bah, go. T'aurais pu continuer de tirer sur celui que t'avais déjà commencé, ça aurait pas fait de mal, je pense, mais bon. Ouais, en plus, là, ils sont dans leur foutu. Poison à la con. 42% n'aura pas mieux. Ok, ici. Là, on a suffisamment de monde pour s'occuper d'eux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper plutôt de ceux-là. Donc, ils s'envolent n'importe où. Ok, 5 restants. Plutôt là-dessus, hein. Ouais, plutôt là-dessus. Voilà, parfait. Toi, tu finis ça. Ok, il en reste 3. 1, 2 et 3. On les voit tous. Nickel. Ici, c'est parti pour un petit soin. Plutôt sur elle. Bon, elles ont beaucoup de vie, hein, ça va quand même. 3 de portée, votre truc, optimal 3, ouais. Optimal 3, vous êtes trop proche. Il y a eux aussi à gérer.
On aurait pour les gérer assez facilement, c'est du corps à corps, donc on va se préparer à les intercepter. Ici, on prend les 3, voilà, 65. Parce que 70, c'est trop facile. À vous. Parfait, vous avancez. Ouais non, en fait vous avancez pas. On va plutôt mettre vous. Vous allez reculer un peu. Ça c'est à 3 de perforation d'armure. Ça peut faire le taf hein. Il est pas mal son petit bolter là, j'aime bien. Enfin, il est pas mal pour une unité de héros quoi. Par rapport au petit pistolet là. Ok, il ne reste plus qu'à caler un petit tir avec eux. 42%, on va essayer d'en voir au moins pas la couverture. 51%. Voilà, c'est fait. Vous reculez ici, j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment passer là, donc on va se contenter de se tourner. Tournez-vous par là, vous, pour contrer une charge. Alors, il y a plein de monde qui a pas joué encore. Parlez-vous, tournez-vous. Toi, Carrion. Si j'active ton machin, tu peux aller jusqu'ici. Va donc jusqu'ici. Ouais, d'accord, hein, il est hors de portée. Ouais, il va peut-être faire le tour par là. Hein. Donc on va quand même garder quelques personnes aptes à l'accueillir, à les accueillir. Hop. Vous, poussez-vous, laissez passer les copains, voilà. Ici, bon allons par là. Toi tu gênes un peu le chemin aussi en fait, bouger avant. Ouais je sais, là-bas on s'est pris le nuage. Mais non! Mais pourquoi tirer à travers la maison? Quelle utilité quoi. Après on leur fait mal hein, je dis pas le contraire. Là ils passent devant, on se prend des petites allumages qui vont bien. Ok bah c'est fini. Un combat décent, je vois que la férocité des Blood Angels n'a pas été émoussée par les récents événements. Certes. La compétence des sororitas n'est pas non plus exagérée. Bienvenue à Baal Secondus, sœur supérieure. Bon, on n'a pas sauvé le machin, on a quand même deux d'objectifs bonus, on a sauvé deux sœurs, c'est déjà ça. C'est pas si mal, et on a des nouvelles unités. Alors peut-être que si on avait sauvé le site du crash, on aurait eu les nouvelles unités directes. On aurait eu en renfort pendant le combat. Mais on a bolter lourd et canon d'assaut. Eux ils ont juste un bolter lourd et eux ils ont bolter lourd plus canon d'assaut. Qu'est-ce que ça fait de beau. Toc t'es là. Ah c'est vrai qu'on peut pas le voir. On va peut-être enlever un petit intercesseur. Encore que j'étais à 20 déjà, j'ai perdu quoi. J'ai enlevé la... Ah j'ai plus la sœur de bataille. L'un dans l'autre, pour l'instant la sœur de bataille c'est pas trop la teuf. Par contre il me faut un... voilà. Il me faut un autre comme ça là. Avec le lance-flamme. On est à 1565, c'est un chouïa trop. On peut enlever un comme ça, on est à 1495 comme ça, c'est plutôt pas mal. On est que 19 mais on a une belle armée quand même. Surtout qu'on a elle en plus maintenant. Bon qui coûte 0 points. On va regarder vite fait ce qu'elle nous propose. Alors, Sœur Verity, litanie de dévotion affecte une seule cible alliée dans un rayon de 1 case, 30 d'impulsion, 15 de PV maximum. Ah, c'est pas mal.
Ensuite, plus 15 de PV pour toutes les Adeptas Sororitas. Munition bénie. Capacité, plus 3 de dommages de portée. Et on peut en lancer deux fois sur le champ de bataille. 50% de chance d'être appliqué après avoir subi des dommages. Armure vs dégâts à distance, armure vs dégâts de mêlée. Alors moi je veux bien, mais elles prennent de l'impulsion quand elles prennent des dégâts, donc c'est très bien. Mais elles sont vraiment à chier au combat. Enfin, elles font juste rien comme dégâts, quoi. Il leur faudrait une nouvelle arme. Serverify. L'épée énergétique, elles peuvent pas avoir de nouvelles armes. On va prendre ça, puisqu'elle sera là, ça sera toujours utile. On a quand même 14 points. Hein. On va pas se faire chier, on va claquer des points. Les sables mouvants. Diminue les mouvements et l'évasion dans la zone. Ok, pourquoi pas. Un peu plus de précision, on va prendre. On va prendre ces compétences-là. Je l'ai pas du tout utilisé, j'aurais peut-être dû d'ailleurs le mitraillage du canon d'assaut là. Mais on va regarder un peu. On peut améliorer ici les unités mécaniques, on va prendre. Et là il faudrait 3 pour ça. Machine modèle Lucifer. Plus 2 de mouvement pour le Predator Ball, c'est pas mal. Encore 20 PV. Fin réglage du canon d'assaut, plus 5% de chance de critique. Et de précision pour le Predator Ball. Et là, canon Flamestorm, j'aime le nom. Peu de gens peuvent résister au torrent purificateur de flammes. Eh oui, effectivement. Faut s'accrocher. Allez, on va prendre un peu plus de précision pour les épées tronçonneuses. C'est vrai qu'on l'a vu quand on est obligé de l'utiliser contre les Vénosropes qui font leur 15 d'évasion en mêlée. C'est pas si mal, on a claqué tous nos points, on va confirmer et on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.